Des photos et des styles différents, il y avait foule en octobre pour la nouvelle expo photo du photoclub de Souffelweyersheim. Vraiment, on voit de tout, c'est très chouette, vraiment c'est la première expo photo que je viens voir et je suis pas déçue. On en prend plein les yeux, c'est vraiment très varié, il y a du paysage, il y a des animaux, il y a du portrait, il y a vraiment, c'est vraiment un régal. Et c'est vrai qu'il y a vraiment de quoi faire et c'est un vrai plaisir pour les yeux. On a réussi à mettre en tout, là on a un peu plus de 800 photos exposées, dont 443 photos, je les ai comptées, des membres. Et le reste en fait c'est les photos des concours nationaux sur 2020-2021. On a tous les univers qui sont représentés, on va avoir du paysage, de la macro, des photos de portrait, un peu de charme aussi parce qu'il faut. On a des photos plus en détail, on a vraiment tous les univers qui sont représentés au niveau photographique, du sport, enfin voilà, c'est vraiment très très large et éclectique comme expo. Le photoclub de Souffel, c'est aussi des projets réguliers. D'ici à la fin d'année, sur une idée de la municipalité, le club va tirer le portrait des résidents de l'EHPAD du village. Mettre un petit peu en avant les anciens et redonner un peu d'activité et puis de plaisir suite à cette période un petit peu compliquée. Pendant deux jours, près de 500 visiteurs sont venus visiter l'expo. Une très belle affluence pour les 55 membres du FOCS.